Abel et son meilleur pote Julian sautent de ballon rose en ballon mauve au cœur de la gare maritime. Ils en sont à leur troisième tour du parcours gonflable. Et parmi les enfants, le plaisir est unanime. Je suis ultra content d'être venu ici. Et je suis venu ici pour m'amuser avec mon meilleur ami. Je suis en train de faire un parcours avec mon petit frère. Il est en train de découvrir parce que c'est sa première fois et la mienne aussi. Et je trouve ça super cool. Je suis en train de faire une course avec mon frère là maintenant et il est en train de gagner. Et c'est drôle parce que il y a plein de parcours. Et il y a une activité en particulier qui fait carton plein. Toboggan. L'immense toboggan là-bas. Mon truc préféré, c'était ce truc énorme là-bas. Pour d'autres, c'est plus difficile de faire un choix. J'ai préféré faire ça, mais après j'ai préféré faire ça. Après, j'ai préféré sauter comme ça et faire une sauce comme ça. C'est reparti pour un tour en toboggan pour Abel et Juliane. Ok, on peut y aller, ça va slider. Les sensations semblent être au rendez-vous. C'est ultra énorme. Pendant que les enfants se dépensent dans les 2500 m² de parcours gonflable, certains parents préfèrent attendre. Non, moi j'attends assise avec ma petite bouteille d'eau, tranquille. Puis, il y a ceux comme Fatima qui veillent de près. Je ne les laisserai pas toutes seules, je préfère participer avec eux, ça me rassure. On est déjà épuisés, on n'a même pas fait la moitié, donc... Ils vont être bien fatigués ce soir, ça c'est cool. Faire en sorte que son enfant se dépense est parfois un véritable objectif. Ma fille, c'est quelqu'un de hyper énergétique. Il faut la dépenser, mais vraiment, sinon ça va pas. Elle adore, hein, c'est déjà la deuxième fois qu'elle fait le tour. Mais il n'y a pas que les plus jeunes qui s'amusent. C'est vraiment super chouette comme parcours, c'est très grand, très connecté, donc tout le monde peut y trouver son plaisir. Les grands comme les petits, voilà. Ce parcours gonflable est installé à la gare maritime jusqu'au 4 août prochain.